Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Allez, bonjour tout le monde, c'est vraiment ça, pour une nouvelle vidéo sur Black Squad. Aujourd'hui, nous sommes avec La Falex, on fait une petite game à deux. Voilà. Bonjour tout le monde. Et je vais vous présenter un petit peu les petites armes qu'on a avec Halloween. Voilà. Donc on a tout d'abord ce petit snipe. Enfin quelques-unes des armes, hein, pas toutes. Mais on a déjà ce petit snipe. Que j'arrive pas à me concentrer parce que je te parlais, désolé. Donc on a ce snipe. Et putain, les mecs, faut l'habiter. Donc on a un snipe qui fait plaisir. Qui est assez puissant. Ensuite on a des grenades comme celle-ci, regardez. Hop. Une flash tout simplement avec le petit truc Halloween qui s'affiche. Avec le petit truc. Ça fait plaisir. Et on a ensuite donc cette petite grenade qu'on balance et qui est assez puissante. Et moi mon sniper est un petit peu lent. Mais c'est pas très grave, il faut juste que je me concentre. Et on a ce couteau pour l'instant, de ce que je vais vous montrer. On a ce couteau qui fait plaisir. Il a su m'avoir, je sais pas comment. Bon, j'étais pas concentré, c'est pour ça que je commune vite. Mais voilà, en gros, c'est pour l'instant c'est ce que je vais vous montrer. Casse-toi de devant moi. Forcément, il m'a vu, bah oui, logique. Mais ensuite, je vais vous montrer du coup la deuxième arme que j'ai. Sinon, moi j'ai un sniper. Ouais, moi aussi. Ça commence à me saouler, ça, cette histoire-là. On a ce pompe, du coup, qui est aussi d'Halloween. Qui est aussi d'Halloween. Qui fait plutôt plaisir aussi. Pardon. Mais je l'aime pas trop parce que. Enfin, je sais pas, je l'aime pas ce con. Tion ! C'est pas. La grenade a pu exploser. Surtout que la map, je ne l'aime pas non plus, donc ça va être compliqué. Hop, en fait, tu dois faire des headshots avec ça, sinon c'est mort. Accessoirement, je dois pas crever. Et ensuite, on a celle-là. Voilà, ça c'est la P12. Si j'ai pas de conneries. Que j'aime beaucoup, qui est très puissante. Et voilà, c'est une de mes armes préférées sur le jeu pour l'instant. Vraiment véridique. Bon, vu que je me fais enculer parce que je suis extrêmement... Je suis pas du tout concentré en fait. Et la map, je la supporte pas. Mais quand je dis que je la supporte pas, c'est vraiment une map que je déteste par-dessus tout. Donc parce qu'en fait, on se fait encercler partout. Parce qu'on a le mauvais côté, si vous voulez. Et du coup, on se fait baiser en fait. Du coup, c'est un peu relou. Mais bon. Elles ont l'air pété les armes d'Halloween. Hein. Donc voilà, de quoi? Elles ont l'air complètement pété les armes d'Halloween. Elles sont cool les armes d'Halloween, elles sont sympas. Mais putain, mais qu'est-ce que vous branlez les mecs? Il y a 4 personnes dessus et y a personne qui est capable de la buter. Bah, moi j'ai pas pu monter. Voilà. Oh, petite animation qui fait plaisir. Casse-toi! T'inquiète, je progresse. Voilà, je me suis suicidé. Hop. Est-ce que tu peux me couvrir le temps que j'avance? Bah ouais, mais non, parce que mon sniper est extrêmement lent en fait. Enfin, il est bien, il est puissant, hein, mais il est lent. Ok, ça arrive. Mais oui, ça arrive, mais putain, mais comment est-ce qu'elle fait pour arriver là? Mais moi j'étais quasiment à leur truc également. Voilà. Et du coup, voilà les petites armes d'Halloween qui font plaisir. Ok. Je vais y aller à la MP5, enfin à la Chris Vector.
Hop, je vais mettre le silencieux. Merde, j'ai pas été assez rapide. Il y en a un dans l'enfoncement là où je me suis buté. Juste à ma gauche. Je suis au courant, mec. Il arrive à me buter alors que je suis entre des poutres en métal. Il y a des trucs chelous quand même qui se passent ici. Comme d'habitude. Il y a une meuf là. Attends, tu permets? Bah non, pas trop, non. Parce que là, je suis dans le mal alors que je suis pas censé être dans le mal. Ok. J'ai plus de chargeur. Ah putain. Et donc voilà, ça fait plaisir de se retrouver. On se fait laminer, mais c'est grave. Ça fait plaisir quand même de se retrouver hein, sur cette petite map. Tu m'expliques comment un mec peut être dans notre base? Il y a 3 accès. Oui! Vite! Non! Quand même, quoi, les mecs. Bah, on est tous au même endroit. Arrête. Punaise, évidemment, il y a une grenade qui arrive à ce moment-là. Ouais, non, la map, je la supporte pas, mais c'est pas grave. Mais non, mais pour vous donner une idée, du coup, je vais voilà passer par en bas pour Halloween. Elles sont belles, hein, elles sont sympas. Mais c'est pas mes armes préférées, quoi. Bah, si, la P12 là. Les gars, ça arrive par en dessous. Allez, montrez-vous, les gars. Je vous attends. Je le cut. Pff, sale merde. En plus, ça faisait 3 heures que je le suivais. Quoi? Pardon? Il a pas pris ses balles. Le mec. Non mais du coup voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire de toute façon. Pour information, il va y avoir un nouveau programme de vidéo qui va arriver. Parce que je me rends compte. J'ai cliqué comme bang. Je me rends compte que je fais trop de vidéos en fait. Ok, d'accord. En fait, j'ai pris trop de temps pour vidéo. Du coup, en fait, on va changer ça. On va faire moins de vidéos. En fait, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Je vais juste. Putain, fait chier. On va juste. Je vais juste diminuer, si vous voulez, le nombre de vidéos. Je pense qu'il va y avoir 2 jours par semaine où il va y avoir moins de vidéos. Parce que. Où il va pas y avoir de vidéos. Et, d'une part, parce que. Arma 3 pour le moment, ça me plaît plus. Donc, je suis. Après, il y aura farming pour en passer. Voilà, déjà, oui. Mais pour le moment, donc, comme je vous dis. Arma 3, bah, c'est plus trop mon délire, dans le sens où je prends plus de plaisir à faire du roleplay comme avant parce que j'ai été dégoûté complètement du roleplay en fait, si vous voulez. Et il est en mode choqué déçu. Mais c'est ça. J'avais des complicités assez fortes avec des gens sur Tyrna. Et le problème c'est que tout est parti en couille. Le problème c'est que Tyrna est parti en couille et du coup pour moi le RP en grosse partie est parti en couille. Et il n'y a pas d'autres serveurs qui me plaisent. Du coup, ça me casse les couilles. À part Terran qui est sympa. Mais encore. Et encore. Enfin, c'est pas méchant. Mais... Pour moi, des serveurs comme Tyrna avec des trucs comme il y avait sur Tyrna, il n'y en a plus. Enfin, avec des diversités. Ben, si, t'as Arma 4. Non, c'est pas diversifié à ma foi. Arma 4, c'est un serveur banal. Enfin, il n'y a pas quelque chose de spécial. Arma 4. Oui, c'est juste un serveur avec quelques scripts et voilà. Et une map inédite, entre guillemets. Eh ben fais du GTRP. J'ai pas GTA et ça me botte pas du tout. Donc c'est même pas comme si j'avais pas envie. Ok,
Poste à sniper. C'est juste que voilà, je n'ai pas l'envie, si vous voulez. Je n'ai pas l'envie, si vous voulez, de faire du Arma pour le moment, en fait. Et c'est dommage, hein, parce que Arma 3, c'est un super jeu. Hein. Arma 3, c'est un super jeu avec plein de trucs. Hein. Il y a des serveurs, des serveurs en tout genre. Hein. Mais... mais j'ai eu un problème, voilà, j'ai eu un souci avec un serveur et ça c'est ma limite pour le temps. Je pense qu'il faut surtout que je fasse une pause d'Arma 3. C'est comme pour tout, hein. Parfois faut faire des pauses de farming par exemple, ou des trucs comme ça. Et moi c'est le cas d'Arma 3 pour le moment. Donc enculé, ça va. Voilà pourquoi il y a moins de vidéos. Donc, ce que je vais faire, et je ferai une vidéo spéciale en vous disant ce qu'il va y avoir. Tout ce qu'il va y avoir comme nouveauté, je vais vous faire une vidéo spéciale avec. En vous disant tout, ouais. tout ce qu'il va y avoir. Putain, je voulais le buter lui. Mais pour information, en grosse partie, Arma 3 va y avoir une pause pendant un mois, deux mois, trois mois, deux semaines, trois semaines, je ne sais pas. Mais va y avoir une pause, et ça c'est sûr et certain. J'en veux. Pardon, je sais pas contre un serveur, enfin c'est pas contre les serveurs ni rien. Mais voilà, et je sais que Thibaut peut-être va regarder la vidéo, il y a moyen. Ah putain, elle est mis trop tard, excuse-moi. Contre un serveur. C'est en aucun cas contre ton serveur, Thibaut. C'est en aucun cas contre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Hein. C'est simplement que j'ai le besoin de faire une pause. Et bien sûr, je reprendrai le RP, bien sûr. Arma 3 reviendra. J'attends juste. Mais pas maintenant. J'attends juste le bon serveur. Alors c'est vrai, vous allez me dire, oui, il y a Bol qui va sortir, tout ça. Oui, c'est vrai, il y a Bol qui va sortir. Et je pense faire des vidéos dessus, hein, bien évidemment. Mais pour moi, c'est pas ça que je parle, le serveur RP qui m'a dégoûté. C'est encore autre chose, ça. Bol, c'est mon serveur, entre guillemets. Enfin, c'est pas mon serveur, c'est notre serveur, mais je fais partie du staff. On l'a bâti tous ensemble, ce serveur. C'est ça que je veux dire par là. Et c'est pour ça que... Et merde, je ne l'avais... Enfin, j'ai pas eu le temps de viser. C'est pour ça que... C'est pour ça que tout simplement, ben voilà, il va y avoir une petite pause. Putain, tu fais chier toi de planquer. Va y avoir une petite pause en attendant Bol qui sort bientôt. Peut-être que même quand il y aura Bol au début, je ferai pas de vidéo, je ne sais pas. Mais... Ah, on peut faire du kill à la... Je pense que je vais m'acheter un lance-patate. Ah, oh, tu peux. Je suis hyper concentré, mais je vais vous parler du reste après, hein, mais... juste concentré sur un truc là. Je me suis pris un tir à travers un mur. Et du coup, donc voilà, ça c'est une chose. Donc Arma 3, c'était deux fois par semaine Arma 3. Ça passera plus qu'à 1 ou 0. Putain! Ça dépend de la motivation, ça dépend peut-être que ça va revenir à une et puis ça va repartir à deux. Peut-être, hein, bon, j'ai joué extrêmement mal, mais peut-être que ça va monter à une ou deux. En tout cas, là pour l'instant, c'est break, break total. Et c'est pas du tout contre un serveur, hein, comme je le redis, je l'ai dit, mais je le redis.
Parce que je sais que... C'est vrai que voilà, certains... Allez, pointe-toi. Comme, des collègues, hein. Des collègues, hein, n'importe quel collègue. Enfin, pas des collègues, n'importe quel serveur pourrait dire, ouais, j'ai pas envie de venir sur Tirna, machin. Pas sur Tirna, mais sur mon serveur, machin. J'en ai cherché, hein, j'ai passé des heures à chercher des serveurs. Oui. Et je vous mens pas, hein, quand je vous dis ça. J'ai vraiment passé énormément de temps okay. à chercher un serveur. Et je n'en ai pas trouvé pour le moment. Qui me convenait avec... Oh, joli ce que je viens de faire. Tiens, mange. Merde. Et du coup, voilà. Ensuite, pour le reste... Merde, m'a tué. Katana. Pour le reste, eh ben, il y aura... Ça restera, hein. Je ne vois pas pourquoi j'arrêterai. Alors que j'aime bien... Oui, sauf, dernier kiff. Donc, en gros, si on dit en gros, le multigaming va peut-être partir aussi. Peut-être une semaine sur deux, je ne sais pas, mais en gros, je pense changer complètement en fait la nature. En gros, il va faire quoi là-dessus? Non, pas du tout. Non, mais non, mais c'est déjà. Oui, en soi, oui, mais. On va s'en refaire une parce que j'ai pas fait de merde. Attends, je suis meilleur que toi? C'est quoi ce bordel? Ouais, j'ai fait de la merde. Mais en gros, si vous voulez. Hop. Mais en gros, hop, attendez, hein. Si vous voulez, le lundi, il y aura, si je dis pas de conneries, le lundi, une semaine sur deux, il y aura du multigame. Le mardi, oh non, il y aura pas de vidéo. Le mercredi, il y aura du farming en multi avec Justifia. Le jeudi, on passe sur du ETSU. Non. Le jeudi, ce sera OMSI 2. Uh-huh. Et le vendredi, ce sera ETSU. Samedi, farming en solo multi sur TP. Et le dimanche, pas de vidéo. Et pour les lives? Les lives, ouais. Ça reste précis. Les lives, ça reste le même. Bon, en ce gros, sera... ça reste des composants dans des modes qui arrivent. C'est ça? C'est ça. Voilà, c'est pour vous dire que va y avoir quelques changements. Mais ça, ce sera noté sur Discord, sur les réseaux sociaux, tout ça. Je vais tout noter. Et en annonce YouTube aussi. Et en annonce YouTube. Mais ce sera noté, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Mais il y aura toujours des vidéos, mais je vais en enlever deux. Bah de toute façon tu pourras plus suivre le rythme en fait. Non, c'est même pas ça le problème, hein. C'est même pas le problème de suivre le rythme, hein. Bah si, un peu. Non, le rythme je sais le suivre, hein. C'est un rythme énorme. Y'a pas par rapport à ça. Ouais, mais le rythme en soi je peux le suivre, hein. Pour ça y'a pas de souci, hein. Le temps je l'ai. Pas de problème par rapport à ça. Le problème c'est surtout que ben voilà, j'ai plus arma 3, j'ai plus de motif. Ah ouais, c'est sûr. Bah après pourquoi le GTA RP, ça a l'air beaucoup plus Non, le GTA RP j'aime pas. Pour moi GTA pourquoi c'est pas fait pour faire du RP. Clairement, hein. Putain, je joue comme une bite alors que je suis plus super regardé. Clairement pour moi GTA RP, ben c'est pas du GTA, c'est pas fait pour faire du RP. C'est pas négatif par rapport à GTA, hein. Par contre tu m'expliques comment t'es revenu aussi vite toi. Mais c'est juste que voilà, je trouve que GTA c'est pas fait pour faire du GTA, c'est pour faire du gunfight, c'est pour s'acheter des bagnoles.
le RP dans GTA, c'est trop complexe. C'est complexe, hein, GTA. C'est complexe dans le sens où... Merde. Dans le sens où la map est énorme, tu croises jamais personne. Et moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux de l'interaction. C'est pour ça qu'à maintenant, c'était bien. C'est parce qu'il y avait de l'interaction en Arma 3. Il y avait de la... Entre guillemets... On parlait tranquillement avec des joueurs et il y avait beaucoup de dialogue entre les joueurs. GTA, tu vis ta vie et puis une fois tous les 5 mois, tu croises quelqu'un. C'est ce que je veux dire. Ouais. C'est ça, quoi. Pourquoi chute ? Pourquoi chute ? Ah, parce que tu te concentres. On va se concentrer. Arrête. Si tu... Arrête. Et voilà. Donc des nouveautés à venir. Pourquoi tu me dis chute, toi? Ah là. Pourquoi? Pourquoi? Tu t'es fait buter? Non. Je vais me faire buter, ça continue. J'étais à leur spawn en fait, en train de faire du kill en fait. J'ai vidé un putain de chargeur sur un mec. J'en ai vidé 3, j'ai pas réussi à le buter. Putain, ces grenades me cassent les bourrons. Casse-leur les bourrons. Casse-leur les bourrons. Ah oui, il y a quelqu'un dans notre spawn. Presque. Mais mec, punaise. Il m'énerve celui-là. Limite du cheat. Je suis calé, moi. Ouais, je vais d'un charme. Bah, je sais pas, après, si t'es d'accord avec moi, mais pour moi... GTA, je sais pas, c'est trop vide. Mais GTA, quand t'as des serveurs de 800 ou 900 slots, ça, c'est bien. Ouais. En RP. Ouais, mais c'est pas des trucs français. Mais si. Si, si, y a Strada en serveur FR. 800 slots. En 520 slots. En même temps. Ouais. Ouais, mais bon. Faut qu'il y ait 800 personnes dessus. Tu vois ce que je dis? Je vais me caler en campeur. Moi aussi, je me suis calé en campeur. Là, il y en a 3. Là où je. En face de moi. Je sais pas du tout où t'es, collègue. Donc voilà. Un gros campeur de merde. Qui, moi? Non, moi. Quand t'es un campeur, mais que t'as personne qui vient sur toi. Bah, 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 bah. Et quand y'a quelqu'un, je me fais foutre. Non, mauvaise idée, la grenade. Bah oui, mais sans blague qu'il y a quelqu'un. Voilà, voilà, ouais, voilà, moi, voilà. Je vais pas faire beaucoup de kills, mais je vais faire que des gros. Que des kills de bâtard. Faut juste que je ne fasse pas contourner. Je fais du sale. J'ai fait du sale.
Ah merde. Ah, tu m'empêches de voir. Chaud, chaud, chaud. Moi ? Oui, voilà. C'est toi qui as gagné. Ça là ? Oui. Une balle dans l'œil. En vrai, je suis bien campé ou pas ? Magnifique. Je ne sais pas du tout si t'es campé, mais bon. Tu restes juste sans bouger quoi. Le mec à droite, Borob. Je suis au courant. À ta droite, dans le couloir. Personne. Non, pas dans celui-là, dans le suivant. Poussez-vous de mon champ de vision, espèce d'enculé. Merde, j'ai cru que j'allais pouvoir les buter tous les deux. C'est dommage. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord quand même sur Terre. On a perdu 3 games quand même en fait. C'est pas grave. Ok, j'ai été tué au lance-patate. Au lance-patate. Oui. Il y a des lance-patates. Putain, il y a un mec, il m'a buté 6 fois, je ne l'ai jamais buté. Qu'est-ce que tu fais toi? J'armerai à mon poste. Qu'est-ce que tu fais toi? C'est des mecs là, ils viennent chez nous là. Mais dégage! Eh, hey, je suis complètement à découvert, je fais du kill. Toi bien. T'as découvert. Je me suis fait buter par deux mecs. C'est toi qui l'as buté là? Ah non. Merde, mon arme a pas voulu tirer. Pardon? Je tente la dernière chance en rushant. Mais c'est même pas ça le problème. Salut. Putain, l'équipe de la dernière chance, ça aurait bien le faire. Où est-ce qu'elle est, celui qui m'a tapé là? Là-dedans. Ah, je confirme. En fait, ils sont tous là, c'est même pas le là-dedans. C'est qu'ils sont tous là. Elle est kill de la dernière chance. Ah bonjour. Salut. Et bien voilà, on a perdu. Bref, YouTube, on va se laisser là-dessus. Moi je vous dis aimez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine. Et on s'est fait encore fister. À plus tout le monde. Plus plus. Tchou tchou. Ciao.